Contrairement aux réquisitions de l'avocat général, la Cour de cassation a donc confirmé cet après-midi la compétence de la justice française dans le jugement du naufrage de l'Erika en dehors des eaux territoriales le 12 décembre 1999, il y a 13 ans. La Cour de cassation a rendu un arrêt étonnant dans la mesure où il était contraire aux réquisitions, contraire aux rapports, mais normal, en donnant pour principe que tous ceux qui ont participé à cette pollution étaient pénalement responsables et qu'ils étaient tous civilement responsables. Au-delà de la question de la compétence des tribunaux, au-delà également des indemnisations, cet arrêt de la Cour de cassation confirme donc surtout la notion de préjudice écologique, indépendamment d'un impact économique. Autre confirmation, celle du principe pollueur-payeur, l'affréteur du bateau, en l'occurrence Total, ne pouvant plus se défausser sur l'armateur, le propriétaire. C'est une satisfaction totale. C'est même quelque chose d'assez exceptionnel et inespéré, compte tenu notamment de ce que j'avais entendu le 24 mai, ici même, n'est-ce pas, à travers les conclusions du rapporteur général et de l'avocat général. Je me souviens parfaitement de cette matinée où on a vu sur les côtes vendéennes arriver la marée noire, les oiseaux ne chantaient plus, on n'entendait même plus le bruit des vagues. Et après 13 ans de combat acharné, je pense que nous avons eu raison, puisque la Cour de cassation, qui est la plus haute instance juridictionnelle française, vient de reconnaître responsable sur le plan pénal tous les fautifs. Le naufrage de l'Erika avait souillé 400 km de côte, dont les côtes vendéennes, de la pointe du Finistère à la Charente-Maritime. Reste maintenant une ultime carte pour Total, la justice européenne. Son avocat a indiqué que le pétrolier pourrait introduire un recours devant la Cour européenne de Strasbourg.